Bonjour, ici Stéphane, Community Manager du forum Destroy Spirit, en direct du salon de l'auto sur le stand Citroën. Donc ici nous nous trouvons dans l'univers Destroy avec en exclusivité cette année la présentation de la Destroy Cabriolet. Donc ici on est vraiment dans l'univers qui représente la DS3. Ah, attendez, deux petites secondes, Frédéric. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Salut Stéphane, DS3 Spirit. Je suis content de te voir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. Tu reconnais ta petite sœur, ton petit bébé, en version cabriolet. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je la reconnais, c'est à vous de me dire si vous la reconnaissez. En tout cas, ce qu'on a voulu faire, c'est garder la DS3, essayer de garder le toit en couleur aussi, et puis lui apporter un petit plus. Donc je suis vraiment content de voir qu'elle évolue comme ça. Voilà, donc on voit vraiment qu'on est sur la version DS3 classique, mais découvrable, ou cabriolet, donc plus peut-être découvrable. Donc sur cette version, une petite spécificité, les feux 3D et LED. Les feux 3D qu'on retrouvera sur toutes les voitures après, qu'on pourra retrouver sur toutes les voitures. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que... Ça c'est une super nouvelle. Ça fait très très longtemps qu'on essaie de les intégrer à la gamme, depuis le concept car Revolt je crois. Ah d'accord. Et donc enfin ils arrivent, je suis super content. Donc tous les propriétaires de DS3, même classique, pourront l'avoir. Pourront l'avoir, ouais. Donc ça c'est une bonne nouvelle, je pense que tous les membres du forum DS3 Spirit vont être contents de cette nouvelle, hein, parce que tout le monde se posait un peu cette question. Donc merci Frédéric de nous confirmer ça. Merci à vous. Merci à toi d'être passé au hasard. Qu'on se reverra. Bon, à l'occasion, je pense qu'on aura l'occasion de faire quelque chose ensemble. Au revoir, merci. Donc ici, vraiment tout l'ensemble DS3 avec la DS3 Ultra Prestige, la DS3 Cabriolet, la DS3 Classique. Donc là, c'est vraiment le centre du forum centré sur la DS3 avec perché tout en haut. La DS3 Racing avec petit clin d'œil à l'équipe WRC avec les rétroirs rouges. Donc petit clin d'œil. Donc on va peut-être se diriger peut-être un petit peu plus sur cette version-là avec le toit bleu infini. Donc nouveau coloris qui sera disponible sur la version classique aussi en toit dur. Ici, une belle capote en tissu. Alors, la petite spécificité que je pense tout le monde en ce moment est à la recherche et voudrait savoir ce qu'on va retrouver sur la version classique, donc confirmé par Frédéric. Donc, ces feux 3D à LED, donc avec effet 3D au centre et ce petit bandeau de LED supérieur. Donc, il est vraiment... encore plus ancré dans un design vraiment typé et qui va très bien à la DS3. Et puis sur le côté, là on retrouve la trame DS et le logo DS pour finir ce phare qui est quand même très 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 joli. Donc sur le stand de Citroën, on va pouvoir retrouver en dehors de tout cet environnement classique sur la Citroën DS3, on a bien sûr toute la gamme classique C, un espace DS consacré à la DS4, DS5, avec une exposition concernant l'atelier Sellerie qui est à visiter si vous venez pendant ces deux semaines sur le centre Citroën, avec des personnes qui font des démonstrations, qui vous expliquent leur métier. Et vous avez aussi sur le stand une partie avec le concept car Tubic que vous pourrez découvrir dans d'autres vidéos disponibles bientôt sur le forum et sur la page Facebook de DS3 Spirit. Il y a aussi concept car numéro 9, donc là dans une couleur un peu violette, tous les éléments du style des futurs DS de Citroën. Donc là, on est vraiment dans du très haut de gamme et vraiment très 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 très, très joli. Donc ici, petit rappel sur la gamme DS3 Cabriolet
Elle sera disponible sur toutes les finitions, hein, chic, saut chic et sport chic, avec possibilité d'avoir un toit de différentes couleurs, soit noir, bleu infini ou avec la trame DS. Donc cette année un stand qui est encore vraiment très très bien construit de la part de Citroën, avec sur les parties supérieures la gamme DS mis en exergue, avec ici la DS3 Racing. Donc on retrouve ici la DS3 cabriolet avec une très très jolie hôtesse pour la mettre en valeur. Donc on ne sait pas si c'est la voiture qui met en valeur l'hôtesse ou l'hôtesse qui met en valeur la voiture, mais merci pour le petit signe, c'est sympa. On va se diriger vers la DS3 Ultra Prestige. Donc ici, une DS3 Ultra Prestige, donc en noir toit blanc. Donc avec sur le toit, donc on retrouve la trame DS qui figurera aussi sur le toit de la cabriolet. Et puis donc petite particularité de cette DS3 Ultra Prestige, donc le cuir en bracelet de monte en dégradé blanc et noir. Donc qui est vraiment une finition très 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 sympa, surtout sur un petit modèle. Donc quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir et que Citroën a mis dans cette finition ultra prestige de la DS3. Donc si vous venez sur le stand Citroën, je vous invite donc à visiter les différents spots. Donc sur le spot DS3 où nous sommes actuellement, il y a aussi un spot DS sur lequel vous retrouverez la DS4, la DS5. Vous avez après la gamme classique et puis les nouveautés du mondial, la CLisée, et que vous pouvez voir juste ici derrière. Vous avez également de présent la C0 électrique qui revient de son Odyssée autour du monde. Donc vraiment cette année vraiment un super stand avec une boutique bien sûr où vous retrouvez tous les gadgets que vous pouvez vous procurer. Donc je le rappelle, venez visiter le stand Citroën au Mondial pendant ces deux semaines. Vous verrez notamment le numéro 9 que vous n'avez pas encore vu en dehors de quelques images dans la presse et quelques photos. Donc je vous remercie de ces quelques minutes sur les réseaux. Retrouvez-nous sur notre page Facebook ds3spirit.com ou sur le forum ds3spirit.com. N'hésitez pas, venez vous inscrire, vous verrez, tout se fait dans une bonne ambiance. Vous retrouvez toutes les infos concernant la gamme DS, plus particulièrement la DS3, et venez participer à nos nombreuses sorties que nous organisons assez souvent, à peu près une fois par mois. Donc je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.